Monsieur le député, est-ce que la COP21, c'est qu'une affaire de grands ? La COP21, c'est surtout pas une affaire de grands. Quand on laisse trop le pouvoir au monde politique et au seul monde politique, ça ne fonctionne pas suffisamment. La COP21, c'est l'affaire de tous, comme la société, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Et d'ailleurs, c'est encore plus l'affaire des enfants, donc des enfants qui m'écoutent, c'est eux qui vivront demain. Ils sont l'avenir de la société et justement, il faut faire œuvre de pédagogie. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai mis en place le Parlement des enfants. Cette année, c'est plus de 1500 députés juniors qui vont me remplacer pour travailler sur des projets de loi. Et notamment, les enfants de Moggio, de la Grande Motte, de Palavas, de Carnot, vont travailler sur la loi littoral. La loi littoral, ce n'est pas un gros mot. La loi littoral, c'est une protection. Nous ne voulons pas être comme Nice, où carrément on a du béton dans l'eau. Nous ne voulons pas être comme l'Espagne, où carrément on a grignoté sur la mer. La mer, c'est un élément extraordinaire, c'est un élément vivant. Donc on a besoin justement de former. Et donc ces députés juniors vont travailler sur l'environnement. Et ce seront les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents pour faire respecter cet environnement et justement sortir des projets concrets.